Voici donc Yoka. Donc un cheval qui nous arrive, qui était dans l'Allier pour ce début de sa carrière d'étalon et qui nous arrive de Pompadour. Il va désormais faire la monte en 2013 de la Chimenterie de la Rivière à Pompadour. Un fils donc de Highest Honor, robuste, très robuste cheval de course, titulaire de 14 victoires dans le Sud-Est, donc principalement, mais il a gagné aussi à Paris. 14 victoires et 28 places pour quasiment 300 000 euros de gains. C'est un fils d'Highest Honor. Alors Highest Honor, dont il est hérité de la Rock Creek, c'est un très bien évident chef de race du parc étalon français, père de père également, puisque c'est le père, entre autres, de Verglas, qui a tant donné aux éleveurs français, Verglas, le père notamment de Stormy River. Et Lyokan, c'était un cheval de 1600. C'est plutôt pour aller sur la vitesse, parce que lui-même, c'était un cheval qui avait beaucoup de gaz, beaucoup de jus, beaucoup de punch. Il est cousin de Gris, qui était un grand spécialiste des 1600 mètres, qui a débuté sa carrière d'étalon tout près d'ici, donc au Haras de Sarcy-la-Tour, vous le connaissez bien. Mais c'est aussi un cousin d'un champion sprinter qui s'appelle Pippa Long, gagnant de la Spring Cup à Hyde-Hop, Pipalong sur 1000 mètres, et deux fois classé du prix de l'Abbaye de Longchamp sur 1000 mètres également, ce groupe 1 hein, qui dispute le jour de l'Arc de Triomphe. Donc ici, un grand vecteur de vitesse. Highest Honor lui-même avait gagné le prix disparant en 83, si je ne m'abuse, sur 1850 mètres sous l'entraînement de Pascal Barry. Donc là, on est vraiment basé sur des vecteurs de vitesse avec l'apport du son de Highest Honor, qui est devenu rare et qui est désormais disponible donc du côté de Pompadour à la Jumenterie de la Rivière. Le cheval appartient à Christophe Delon, que vous connaissez bien, qui travaille beaucoup à Gallo Allier et qui est ici présent.